On est maintenant dans la vieille ferme, dans la maison de ferme. Okay. Ça, je déteste faire ça parce que tout le temps, les mauvaises surprises. Arc. De la viande pourrie. Oh. Dégueulasse. Des bottes de cowboy pour femmes. Eh boy, le vieux radio de cassette. Où ça? Un pour là. Oh, wow. C'est un track? Je sais pas. Bien bon, ouais. Ça peut valoir quelque chose, ça? Non. Non? C'est juste un vieux, vieux, vieux radio. Avec des louis. Avec des balles. Wow! Holy boy! Ça, j'entends ça. Ouais, ça, ça peut être un raton laveur, par exemple. Ça, ça peut être un raton laveur. Monsieur à la chasse. L'arc à poulie, je pense. Ça pourrait être qu'elle soit là, mais ça serait un arc à poulie, c'est là. Ça, c'est des flèches d'arc à poulie. Ah ouais, ça serait la douille. Ah, ça serait fucké contre Windows, hein. Ça serait même très fucké. Là, cette fois-ci, ça va être downloadé sur YouTube, je peux te garantir. Hey, ça commence bien. Ça, là, là, cette ferme-là commence bien, là. Oui? Ouais. Ah, une autre flèche? Fait trois flèches. Quand même. C'est une odeur des chandeliers. Mm-hmm. Oups. Une vieille patate. Mais les bottes de cowboy, c'est, je suis sûr que c'est des boulets. Quelque chose me dit que c'est des boulets, ça. Des trois. Les bottes de filles, en tout cas, ça c'est clair. Bon, est-ce que je m'aventure en haut malgré qu'il y a peut-être un raton laveur? Oh. On va commencer par l'étage en bas. Ok, après ça on va aller en haut. Ouais, okay. Après ça on va monter en haut. Bonne idée. De ben oui. De qui? 7 pour 4 de points. Un lave-vaisselle. Notre mission, rendre les gens heureux et faire de leur journée les plus exceptionnelles, donner de la joie dans leur vie. Wow, j'aime ça. La genre de bibliothèque encastrée. Ouais. C'était pas du bon pop-pop-pop. Sweet fuck out. Ils ont tout vidé. Oh, je laisse mes pâtes. Une canette. Oh, j'aime ça. Ils ont du goût. Ils ont du goût. C'est ça, j'aime ça. Un autre bout de pierre là. De quille. Ben oui, puis il est passé au trait du mur. Un beau crucifix. On peut monter le quille. Il y a deux étages dans la même section de bord. Wow.
la couper avant de lancer dans le mur. Ça, c'est dommage. Je trouve ça ridicule. Le monde qui est juste dans le même. Ben, ça nous donne une petite. Hey, regarde, c'est beau ça. C'est beau, une belle boiserie. Ouais. C'est beau ça. Ça devait être l'office là, où il travaillait, là, tu sais. Faisait la paperasse, justement, là, pour la laiterie. Bon, on sait que le monsieur était humain. 30 billets, 30 équipes. C'est en plein ça. Il faisait sa paperasse sur son ordinateur. Wow, hey, ça, c'est vraiment beau. Sérieux, là. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il en manque pas gros pour le light. C'est non, vraiment beau. C'est fou les choses qu'on trouve dans les maisons abandonnées. Puis moi, je te dirais, je suis pas convaincu que c'est pas hanté, ça. C'est fou, hein? Non, j'ai même senti. J'ai un feeling, là, puis ouais. Oh! Une belle salle d'eau ici, là. Wow! On sait qu'à une époque, il y a eu un bébé. Encore un pot de bête. Il y a eu des problèmes de rats, c'est clair. Et c'est peut-être un gros rat qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a encore des poils ossiaires. On fait un étage, je pense qu'on monte en haut, ou on va aller en bas. Ça, c'est vraiment une belle salle d'eau, là. Oui. Ah, s'il n'y avait rien dans la cuisine, on n'aura probablement rien ici non plus. Ah, c'était du monde que... Ah, hein? Oh, c'était aisé financièrement. Ben, avec une ferme, c'est sûr qu'ils sont aisés. Combien tu penses qu'un terrain même, c'est quoi? C'est un arpent? C'est deux arpents? C'est quoi? Probablement. Si on se fie à mon calcul, puis c'est dans le cheap et non pas dans le chair, là. À Saint-Fabien de Panay, un hectare de terrain, c'est un arpent, c'est 10 hectares. C'est un hectare de terrain non défriché, donc boisé, c'est 3 000$. On l'a coupé? Ben oui, toi. C'est quoi cette idée-là de couper des boules de quille? On dirait du sang. On dirait carrément du sang coagulé. Ouais, j'avoue. C'est donc bien bizarre, ça. J'espère qu'on ne tombera pas sur un cadavre, par exemple. J'en sais plus qui est encore là. Ouais. Avec les... Regarde ici. Marie. Joseph. Ben oui. C'était du monde croyant. Ils ont même essayé d'aller dans le grenier. Petite salle de bain ici. Oh wow, la vieille bassinette, toi. Ouais, ça. C'est vieux, ça. Probablement le monde qui a habité ici. Probablement. Comment la vieille bassinette, toi? Wow. Hey, c'est vieux, ça, là. Puis je viens d'entendre un bruit de pas, puis ça vient de là-bas. Puis je sais qu'il n'y a personne. C'est hanté ici, mon ami. Oui, je le pense, vraiment. Ah, j'en suis pas. Des patins... Aussi. Oh, je veux pas envie de passer au travail. La bassinette. La bassinette, là. Début 1900, ça. Oh, yeah. Ça, c'est une antiquité, les amis, là. Je vais prendre une photo après de la ferme pour qu'on puisse revenir. Mais la nuit, il y a quelque chose par là-bas.
Je sais pas c'est quoi. C'est peut-être un petit animal, mais quelque chose. Direct par l'autre. Chambre de fille. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ben voyons donc. C'est du monde qui aimait ça jouer au King, c'est clair, hein? Ben oui, toi. Puis elle est neuve, elle. Elle est encore dans sa boîte. Oui. C'est quoi? Ça pèse. Hé, je veux dire comme toi, stick, il fallait être du bras pour avoir ça. Ouais, il y a vraiment de quoi là, là. C'est rien que dommage, j'ai pas ma flashlight avec des bonnes batteries parce que fuck off, on verrait de c'est quoi. Notre chambre d'enfant. C'est ça que ça veut dire, hein? Viens voir ça. Quand tu vois ça, tu le sais que c'est hanté. T'as même pas de casser de basic. Je te garantis que c'est hanté ici. Mais hanté par quoi? Ah oui, maison. C'est hallucinant le nombre d'insectes. Arc! Arc! Je le sais. Mais je sais pas c'est quoi. Ça peut être un rat. Parce que j'ai vu des pièges à rat, puis j'ai vu de la bouffe pour la piège à rat, puis... C'est trop bon pour un rat. Ben, un raton laveur. Puis ça, c'est pas une bonne idée, parce que ça, si ça mord, t'as une chance sur trois que ça soit la rage. Ouais, je sais. Oh, ça grouille, ça grouille. C'est vrai de ça, je le vois. C'est un raton laveur? Ah oh oui, il est beau. Bonjour, toi. Les marches, ils vont céder, hein? Comment? Les marches, ils vont venir qu'à céder. Oui? Oui, parce que je vois ici qu'il est fendu, très... très on va commencer à décoller du mât. Carrément. On le voit même très bien, là. C'est un gros, gros raton laveur. Ah ouais? Ouais. Achalons-le pas. ça doit être dans le sous-sol, ça. C'est de la ventilation. Ouais.
ça, là, ça me fait chier. Avoir ma grosse flashlight, là. Number one. Parce qu'on va aller les marches. On reviendra. De toute façon, ça, restera, ça va rester abandonné. Ah, j'ai pas de doute. Je suis sûr que c'est solide. C'est parce qu'on voit rien. Moi, en tout cas, là, je traite pas de me mettre les pieds où ce que je vois pas. Attention à toi. Je t'ai vu glisser, là. Non, non, je t'ai pas glissé. T'as pas aucune inquiétude à avoir. Tout va super bien. Ah ouais. Ça, c'est vieux comme mur, là. Ok, c'est ça. Il passe la terre. Oh, des vieux pots. Wow! Pareil comme dans les films. Avec des affaires d'honneur, tu te demandes c'est quoi. Carrément, hein? Des cruches. Hey, c'est de l'alcool! C'est de l'alcool! C'est tout de l'alcool! En haut, c'est du vin! Ouais. C'est des vieilles bouteilles. Hey, t'en as, viens ici, allume-là, là. Je me demande si c'est des vieilles bouteilles de bière. Je crois non, oui. C'est de la batte. Non. Non. Chauffer au bois. Au bois puis au mazout. Ouais. Wow. C'est étonnant que le sol soit petit comme ça. Pour une si grosse maison, ouais. On dirait comme toi, là. Probablement le scellage de la première maison, puis on va juste rebâtir par-dessus des Legos, ben oui. Ouais.